C'est toi que nous acclamons, Seigneur. Ce soir, nous nous attendons encore à toi. Merci pour ta présence qui emplit déjà ce lieu. Merci pour ta main déployée, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour porte ouverte. Merci Jésus. C'est toi que nous attendons. Et nous savons que tu es là. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Gloire à toi, Jésus. Tu vois ce peuple, Seigneur. Il est là pour toi. Tu vois cet homme, cette femme. C'est de toi que nous avons besoin. Réponds, Seigneur. Agis, Seigneur. Montre-toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt? Alors si tu es prêt, tu vas te lever. Nous allons recevoir la parole. Avec toute l'onction qui l'accompagne, toute la gloire qui accompagne cette parole, toute la puissance qui accompagne cette parole, le Seigneur m'a dit que la grâce qui est là va prendre en charge tous nos défis ce soir. La grâce est disponible et suffisante. Voilà pourquoi, selon ton attente et selon ta foi, tu vas m'aider à recevoir l'homme de Dieu. Quand j'appelle le révérend Andy Ebo, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus, nous saluons cette grâce et cette onction. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Dieu. Tell the next person by your side. Retourne-toi vers quelqu'un et dis-lui. This is a new dimension in your destiny. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de ta destinée. Tell the person congratulations. Dis à la personne félicitations. Because I am here to see your new dimension. Parce que je suis là pour voir et vivre ta nouvelle dimension. Hallelujah. Amen. Do you believe that? Est-ce que tu le crois? Amen. That is your first prophecy you are declaring this evening. Ça, c'est ta première prophétie que tu déclares ce soir. The beginning of a new dimension. Le commencement d'une nouvelle dimension. Amen. You see, when you have confidence. Tu vois, quand tu as l'assurance. For example, par exemple, you've been waiting for one alert. Tu attendais une nouvelle. One alert. Une nouvelle. When is it going to come? Mais quand est-ce qu'elle va arriver? When is it going to come? All of a sudden, you hear momon, you hear car in mais your phone. Tu entends juste le son de ton téléphone, le message que tu as dès que tu entends ta. And you look at it. Tu regardes. Are you hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? I want to prepare your mind. J'aimerais préparer ta pensée. You see the dance you are dancing. Tu vois? La danse que tu danses là. It's a sure dance. C'est une danse assurée. Is somebody ready to dance a new dance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire une nouvelle danse ici? A sure dance. Une danse assurée. Of life. Une danse assurée de la vie. A sure dance. Oh, je dis une danse assurée. Of good home.
d'un foyer sécurisé. A joyous dance. Une danse assurée. Of honor and dignity. D'honneur et de dignité. When you are dancing such dance. Tu vois, et quand tu danses, you don't look, danse, you don't look back. On ne regarde pas en arrière. You don't listen to the music even. En tout cas, même le son de la musique là ne te concerne plus. Your joy will be sweeter than the music. Ta joie qui est dans le cœur sera plus douce que la musique. That is you. C'est de toi qu'il s'agit. That is what the picture God showed me about you. C'est l'image que Dieu m'a montré à ton Because sujet. The dance you are going to dance. Ah, la danse que tu vas danser là. It will go beyond the music. Ça va aller au-delà du son du piano. Hallelujah. And tonight. Et ce soir. And God said. Dieu a dit. You are God. Que vous êtes des dieux. Not that you are looking for God. Écoute, ce n'est pas que tu es en train de chercher. You are God. Il dit vous êtes des dieux. Who is God? Qui est Dieu? The creator of heaven and earth. Le créateur du ciel et de la terre. Now God said you are God. Maintenant Dieu lui-même te dit que toi là, tu es Dieu. And Mary said. Et Marie dit. How can this be? Comment cela est-ce possible? It's not possible. Ce n'est pas possible. How can this be? Mais comment est-ce que ça possible? How can I be a God in a situation like this? Mais comment est-ce que je peux être Dieu devant une telle situation? Mary asked the same question. Marie s'est posé la même you question. You are asking that question right toi now. Également, tu te poses la question. But hear me well. Mais entends-moi bien. I will give you the same answer. Je vais te donner la même réponse. Do you know the answer? Est-ce que tu connais la réponse? The Holy Ghost shall come upon you. Saint-Esprit descendra I said the Holy Ghost shall come upon Je dis you. Le Saint-Esprit te couvrira. You shall talk like God. Et tu parleras comme Dieu. You shall think like God. Et tu penseras comme you Dieu. Shall act like God. Et tu agiras comme Dieu. You shall manifest the power Et of the Holy Ghost. Tu te manifesteras par la puissance du Saint-Esprit. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? A man of God entered the hospital. Un homme de Dieu était entré dans un hôpital. And when he got to the hospital, he died. Il est arrivé à l'hôpital. Everybody wants to be crying. Il est mort et tout le monde pleurait. But as he died, mais quand il est mort, everybody in the hospital was discharged. Tous ceux qui étaient hospitalisés avaient été libérés. But he died. Cet homme de Dieu était mort. But the power. Mais le pouvoir that was in him, la puissance qui était en heal lui all of them that was in the hospital. A guéri tout ce qui était Listen à l'hôpital. To me. Écoute-moi. You will not die. Tu ne mourras pas. You are not going to die. Tu ne mourras pas. For the fact that you are in that family, le fait que tu vives dans cette famille, for the fact that you belong to that family, le fait que tu appartiennes à cette famille, for the fact you are involved in that business, le fait que tu fais cette affaire-là, because you believe in Jesus, et parce que tu crois en Jésus, what was dead will come alive. Ce qui était mort revient à la vie. You don't believe it? Oh, tu ne crois pas? You will look at your body, you will not see that pain again. Tu regarderas à ton corps, tu comprendras pas. Mais malade, you will not see that pain again. Pourquoi? The Holy Ghost will come upon you. Le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit. What you couldn't do before. Ce que tu étais incapable de what faire you avant. Don't know before. Ce que tu ne connaissais pas what avant. You don't understand before. Ce que tu ne comprenais pas. Will begin to manifest. Tu vas commencer à te manifester. Enough is enough. Trop, c'est trop. Limitation is removed. La limitation est partie. Ye are gods. Vous êtes des dieux. Ye are gods. Ah, vous êtes des dieux. Ye are gods. Vous êtes des dieux. Are you hearing me? Ye are gods. Hey, écoute-moi, tu es un dieu, tu es Dieu. You can't be inside the water and looking for water to drink. Est-ce que quelqu'un peut être dans l'eau et chercher l'eau à boire? No way. C'est pas possible. Inside the river. Dans le fleuve. And you are looking for water to drink. Et tu meurs de soif. It can't happen again. Ça ne peut pas ça. It's an error. C'est une erreur. It's an error. C'est une erreur. So you look at yourself. Alors regarde-toi. If Mary can give birth. Écoute-moi, si Marie pouvait enfanter. Breaking the natural law. En brisant la loi de la nature. In my own case. Dans mon cas. In my generation. Dans ma génération. For my sake. À cause de moi. For my sake. À cause
cause de moi. Laws will be broken. Les lois seront brisées. So when we are talking about open door, alors quand on parle des portes ouvertes, you are not looking for key to. Hein? C'est pas comme si tu cherchais une clé, la clé no. pour ouvrir, non. He said, I have set before you an open door. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Your business is to walk in. Tes affaires là, tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer. In Romans chapter 4. Dans Romains chapitre 4. The God that collects things that be not as though they were. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. That is your God. C'est ton Dieu. What is the situation in your life right now? Quelle est la situation dans ta vie maintenant? What is your situation right Quelle now? Est la situation dans ta He vie? He collects things that be not as though they were. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Lift up your right hand. Lève ta main droite. This night. Ce soir, whether you like it or not, que tu le veuilles ou pas, the word of God will affect your la life. Parole de Dieu va impacter ta vie. Lift up your right hand. Lève ta main droite. Make a declaration. Et fais une déclaration. Say my father. Dis avec moi mon père. Tonight. Ce soir. I will manifest your glory. Je manifesterai ta gloire. Today. Aujourd'hui. I have the understanding. J'ai la compréhension. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. That I have the power to recreate. Que j'ai le pouvoir de recréer. Right now. Maintenant même. By my will. Par ma volonté. And the power of the Holy Ghost. Et par la puissance du Saint-Esprit. I will begin to declare things into existence now. Je vais appeler à l'existence des choses. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I release my spirit. Je libère mon espace. To begin to create. Et je déclare que je recrée. That needs to be recreated Ce in me. Ce qui doit être recréé en moi. Now open your mouth and recreate in your life. Open your mouth in your life, in your own life. In your life, open your mouth. Make a declaration about your life, about your children, about your children, about your marriage, about your job, about your character. In the name of Jesus, I have the ability. La capacité. I have the ability. J'ai la capacité. To recreate. De recréer. To recreate. De recréer. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Nothing shall be lacking. Rien ne me manquera. Nothing will lack in my life. Rien ne manquera dans ma vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I recreate. Je recrée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Before you sit down, say this with me. Écoute, avant de t'asseoir, dis ceci. Say in the name of Jesus. Dis avec moi au nom de Jésus. Tonight. Ce soir. I stand in the office as a child of God. Je me tiens debout en tant que fils de Dieu. Healing is children's bread. La guérison c'est le pain des enfants. Right now, maintenant même, I take my right. Je prends ce qui me revient de droit. Healing is my right. La guérison c'est mon droit. Deliverance is my right. La délivrance c'est mon droit. Peace of mind is my right. La paix de l'esprit c'est mon droit. Victory is my right. La victoire c'est mon droit. Success is mine. Le succès c'est mon droit. Favor is mine. La faveur est à moi. Promotion is mine. L'élévation m'appartient. No more failure. Plus d'échec dans ma vie. No more shame. Plus de honte dans ma vie. Today. Aujourd'hui. I enter into the open door. J'entre
the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Give him thanks. Give him thanks. Alors élève ta voix, dis-lui merci. Give him thanks. Seigneur, nous te disons merci. Give him thanks. Merci pour cette porte ouverte. Give him thanks. Merci parce que je jouis de tous les bienfaits. Arababobos. De tout ce qu'il y a derrière cette porte. Remandarababos. Des fils éternels. Prane kahaleboya. Sont de toi éternel. Sakulebos aladamande. Yeko sanderi alabos. Rekulibira alababos. I am not a failure. Je ne suis pas un échec. I am not a failure. Je ne suis pas un échec. No, I am not a failure. Je ne suis pas un échec. Favor is my portion. La faveur c'est mon partage. Men and women will do me favor. Les hommes et les femmes vont me favoriser. Thank you, Father. Merci, Père. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amaleka yatabosa. Oh, rakebosa. Belegunda, Pecuri la Cabenda, Ailo Sicatera da Mando, Pesha Cortaria, Imbruninga di Tabahaso Tecubora, Rentumango Shataida. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. You see, the burden has just been lifted. Écoute-moi. Écoute-moi. Ton fardeau a été enlevé. Look at healing. Look at healing everywhere. Regarde la guérison. Check your body now. Regarde la guérison de ton corps. Check your body. Just check your body now. Regarde-toi. Regarde-toi. It's already done. C'est parti. Check. C'est fait. Check. C'est fait. Hallelujah. Hallelujah. That telephone call, you will get it. Écoute-moi, ce coup de fil que tu attends là va arriver. I say you will get it, you will hear, it will come. Écoute-moi, je dis ceci, que j'entends le coup de fil que tu attendais longtemps. Hey, 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 you didn't hear me well. Tu ne m'as pas bien compris. The Bible said, la Bible dit, the king could not sleep. The king could not sleep. Le roi ne pouvait pas dormir. Because of Mordecai. À cause de Mardoché. I hear in my spirit. J'entends dans mon esprit. Somebody will not sleep until settle your matter. Motomo kwa kola la terre ce qui a résolu le problème. I say somebody will not sleep until he settle your matter. J'entends dans mon esprit. They will not from tonight. À kola la terre ce qui a résolu le problème na yote. From this night. À partir de cette nuit. Until settle that matter. Jusqu'à ce qu'il y a bongisi di kambonayo. At your favor, at your favor. Salobie, akokata di kambongo na avantage na yo. I will not sleep. Sinon, il ne dormira pas. He will not sleep. Il ne dormira pas. He will not sleep. Il ne dormira pas. Until he settle your matter. Jusqu'à ce qu'il règle ton problème. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. This night. Cette nuit. This night. Nalobie butwa lelo. Men will remember you. Oh, les hommes vont se souvenir de toi. They will remember you. Makoye banzo kande osalaka. I said they will remember you. Nalobi bako kanisela yo. They will remember you. Ils vont se souvenir de toi. They will remember you. Ils vont se souvenir de toi. They will remember you. Ils vont se souvenir de toi. Because the covering, the veil that have been covering the matter. Parce que le voile et l'amba moindo est si pas qu'il y kamona yo. The veil is removed. A long way. The veil is removed. Le voile est enlevé. The veil is removed. Le voile est enlevé. The truth has come out. Écoute-moi, la vérité est arrivée. The truth has finally come out. La vérité est arrivée. For the sake of God's mercy. À cause de la miséricorde of God's mercy. À cause de la miséricorde. Because of God's mercy. À cause de la miséricorde de Dieu. You will see. Tu verras. You will testify. Et tu témoigneras. You will see. Tu le verras. And you will testify. Et tu témoigneras. You will see. Oh, comment n'ayant you will testify by the power of the Holy Ghost la puissance du Saint-Esprit in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hear me, hear me well. Écoute-moi. Hear me, hear me well. Écoute-moi bien. Even you that is not innocent. Même toi qui n'es pas innocent. Because of God's mercy. Mais à cause de la miséricorde de Dieu. I hear in my spirit. En fait, j'entends dans mon esprit. Let him receive mercy. Laissez-le. Tika ya mangolu nangai. Mawana zambe. Not that you were not guilty.
Ce n'est pas que tu étais innocent, hein. But because of the mercy of God. Mais à cause de la miséricorde de Dieu. Because of the mercy of à God. À cause de la miséricorde de because Dieu. Because of the mercy of ah, God. Ah, pona mawana nzambe. Galamunda. Lehi sako shakibadi. Branango tihi zakota shikadeba. Brunahilo katali kahita sevada. For the mercy's sake. Mawana nzambe. A prisoner. À cause de la miséricorde. A prisoner. À cause de la grâce, un prisonnier. For the mercy of God's sake. À cause de la miséricorde de Dieu. He's already in prison. Quelqu'un qui est en prison. But they will reveal his case. Mais on va changer, statuer à son avantage. He's already in prison. Il est en prison. But the case is being revealed now. Mais son cas va changer maintenant. 18 days from now. 18 days from now. J'entends dans mon esprit dans 18 jours. 18 days from now. Dans 18 jours. Dancing will be in that family. Il y aura la danse dans cette famille. Dancing will be in that family. Il y aura la danse dans cette famille. I hear it in my spirit. J'entends dans mon esprit. This is the handwork of God. Ça c'est le doigt de Dieu. For the door is open. Parce que la porte est ouverte. Akamale bocha. Branika sotaveso kahari. Branigo labo shakate sifo sala. Mombilage hasento fisukaya marekota siana mandovesela. The month of September. Le mois de septembre. The month of September. Le mois de septembre. As I speak here. Je parle ici. I see seven. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une grossesse. Just the month of September. Le mois de septembre. The month of September. Le mois de septembre. You have been like this. Écoute, tu as transpiré comme ça. But I see seven of you. Mais je suis en train de voir sept femmes ici. Enceinte. 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 September. Septembre. Not next year. Je ne parle pas de l'année prochaine. Doctor will ask you. Le docteur va te demander. How, what happened? Mama est au sali ndengeni. Doctor will ask you. Le médecin va te poser la question. How did it happen? Comment est-ce possible? You know why? Tu sais pourquoi? The door. La porte est ouverte. Thank you, Father. Merci, Père. 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 Just thank Him for everything. Alors élève ta voix maintenant. For everything. Avec reconnaissance. Élève cette voix. Commence à lui dire merci. You may not understand. Thank Him for everything. Peut-être que tu ne comprends pas, mais dis-lui merci. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega.
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Shame and reproach has been removed. La honte et l'opprobre sont partis. That shame has been removed. Soniwana et la mbaya soni ezotika yo. That shame has been removed. La honte s'éloigne de toi. That shame has been removed. Cette honte est ôtée. Hallelujah. Hallelujah. Give a big hand to Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Jésus? Give him a big hand. Royalement. You may be seated. On peut s'asseoir. You may be seated. Isaiah chapter 1. Ésaïe chapitre 1. Isaiah chapter 1. Ésaïe chapitre 1. We're going to read from verse 18. Nous allons lire à partir du verset. Ésaïe chapitre 1. Okay. Back it up a bit. Just start from 16. À partir to du 20. On va commencer à partir du verset 16, de 16 à 20. To 20. 16 à 20, si un bien-aimé peut nous aider. Let's read the scriptures. On va lire les écritures. Si un bien-aimé nous aide à lire. Ésaïe chapitre 1, nous allons lire du verset 16 au verset 20. Ésaïe 1er, 16 à 20, je lis au nom de Jésus. Lavez-vous purifié. Excusez-moi. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. The God of mercy. Le Dieu de miséricorde. The God that loves us. Le Dieu qui nous aime. But this is what he's saying. Mais voilà ce qu'il dit. All of your gimmick, all of your games, he knows them. Tout ce que nous faisons, lui le sait. He knows them. Toutes nos manigances même, Dieu le sait. He knows all the things you do. Il sait tout ce que tu fais. It doesn't please him. Même il sait que ça ne lui plaît pas. But he said, mais il dit, come, viens. Let us reason together. Il dit, venez, et plaidons. Come, venez. Let us reason together. Et plaidons. When we started the seminar, we talked about doors that have been opened. Nous avons parlé ici des portes. If the door une porte qui est ouverte. Et si la porte est ouverte? Why are they not entering?
pourquoi est-ce que les gens n'entrent pas? Why are they not entering? Pourquoi les gens n'entrent-ils pas? He is the God that have opened the door. C'est lui le Dieu qui a ouvert la porte. Now he is the same God that said, "Now come, let us reason together." Maintenant, c'est encore lui qui dit, venez et plaidons. Let us reason together. Venez et plaidons. Because what you are struggling with, you cannot do it by yourself. Parce que la chose contre laquelle tu luttes, tu ne peux pas réussir de toi-même. The excuse will not help you. Et même les raisons que tu donnes ne vont pas t'aider. Your head calculation is not giving you any joy. Les calculs même que tu fais à partir de ta tête ne vont pas te donner la joie. He said, "Come, let us reason together." Mais Dieu te dit, viens, on va raisonner. If you are ready to come, si tu es prêt à and venir, as many that are willing and obedient, et dit tous ceux qui ont la volonté et qui sont obéissants, the best inside that room, you will eat it. Le meilleur qu'il y a dans la pièce là, tu vas en profiter. Church, let us leave this elementary talk. Église, s'il vous plaît, quittons un peu ce niveau élémentaire du christianisme. I keep telling you, it's only children. Once they are hungry, they'll be playing outside since. The moment they are hungry, they come in. Mommy, 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 I'm hungry. Je vous ai souvent, je ne cesserai de répéter, ce ne sont que les petits enfants qui s'amusent dehors et dès qu'il a faim, il va vite courir pour venir, maman, 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 j'ai faim. Those are children. Ce sont les enfants. And that's what we see mostly in the body of Christ. Malheureusement, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'enfants. Somebody has to prepare the food. Mais pour que tu manges là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prépare, n'est-ce pas? You should be preparing the food. Mais toi, tu es censé préparer la nourriture que les autres vont manger. Do you know what it is? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? I come with my anointing. The pastor come with your anointing. You come with your anointing, and we are here. Imagine un peu. Le pasteur, moi je viens avec l'onction de Dieu sur moi. Le pasteur se joint à moi avec l'onction de Dieu. Toi, tu viens avec l'onction de Dieu sur toi. Imagine un peu. Where will that cancer live here? Alors, dit, cancer will still follow the person home? Dis-moi comment est-ce que la personne va repartir à la maison avec ce cancer là? The moment he enters here, the anointing will consume that thing. Dès qu'il va mettre ses pieds ici, l'onction qui se dégage du lieu va consumer la maladie. But the problem, you and I need to know who this God is. Mais le problème en est que toi et moi, nous devons connaître ce Dieu-là, qui il est. It's children who don't care how you prepare the food. All they want to do is to eat it. Ce sont les bébés qui s'en foutent de comment est-ce que tu as transpiré pour préparer. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Let me tell you. Laisse-moi te dire. Half of people, or more than half of people in the church, the reason why they came is come for deliverance, come for healing, come for breakthrough. That's why they came. Je vais te dire la vérité. La plupart des temps, la moitié des gens qui fréquentent une église, ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de mariage, ils ont besoin de percée. C'est ça. And that is why they don't know Jesus. Mais voilà pourquoi, comme c'est leur seul intérêt, ils ne connaissent pas Jésus. That is why many of them know the prophet and the bishop and the apostle more than Jesus. Voilà pourquoi ce genre de chrétien connaît mieux le prophète, il connaît le pasteur, il connaît le bishop, mais il ne connaît pas Jésus. They know all their telephone. They know all their telephone number. Ils connaissent, ils ont les numéros de téléphone de tous les prophètes de la ville. They know where to reach them. Ils savent même s'il faut aller à Ngamakoso Akobeta Makolo Rokeno Lukai. But Jesus, they don't know about Jesus. Jésus, il ne connaît pas. That is why this kind of program is meant for you to grow up. Voilà pourquoi ce genre de programme est fait pour que tu grandisses. You see fine dress, you buy it for yourself. Écoute, quand tu vois un beau vêtement, tu t'achètes, non, pour toi-même? You see fine things, you buy it for yourself. On est capable de s'acheter des belles choses pour nous-mêmes. What is Jesus asking you of? Mais qu'est-ce que Jésus te demande? I don't know. Tu ne sais même pas. Because you don't know Jesus. Parce que tu ne connais pas Jésus. You know yourself. Tu te connais. You know what fits you. Tu sais quelle est ta taille, you ce qui te va. You know your size. Tu connais tes goûts et tout ça. I. C'est toujours ngai 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 et sukara ngai ngai. Who is Jesus? Qui est Jésus? Well, bon, it's my Lord and Savior. Mais c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Azan kolope mo bixinanga. I ask you a question.
Maintenant, je te pose une question. Quand you bought a new car. Tu as acheté une nouvelle voiture par you exemple. You are looking for a driver. Et tu cherches un chauffeur. And somebody just walked to you. Et quelqu'un vient vers toi. I'm a driver. Il dit je suis chauffeur. Your new car. Ta nouvelle voiture que tu as acheté. Nobody recommended driver. Donc personne ne t'a recommandé ce chauffeur. Nobody told you about the driver. Personne ne t'a parlé de ce chauffeur. You have not seen him drive before. Tu ne l'as jamais vu en train de conduire. You just took your car key. Et donc tu vas juste prendre tes clés facilement comme ça, les contacts et lui remettre. You will ask questions. Tu vas poser des questions. Where are you from? Tu vas dire tu vis où? Who are you? Qui es-tu? Where did you drive? Tu as déjà conduit où? Where is your driver's license? Où est ton permis de conduire? You want to know the person. N'est-ce pas? Parce que tu veux connaître la personne. Number one. Premièrement. Your car is important. Ta voiture est importante. Number two. Deuxièmement. Your life is important. Ta vie est importante. You will not give your life to a driver who will go and kill you. Donner ta vie entre les mains d'un chauffeur qui peut te tuer. So the first thing you need to know as a child of God. Alors la première des choses à savoir en tant qu'enfant like de Dieu. Paul said, comme Paul a dit. That I may know him. Afin que je le connaisse. I want to know Christ. Je veux connaître Christ. And the power of his resurrection. Et la puissance de sa résurrection. Who is this man? Qui est cet homme? For the past 2000 years. Ça fait 2000 ans de cela. His name is increasing every son day. Son nom ne diminue pas, sa renommée ne fait qu'augmenter. His name is doing wonders every day. Et il continue de faire des merveilles jusqu'à aujourd'hui. His name is changing life every day. Son nom effraie certaines personnes jusqu'à aujourd'hui. That is enough for you to think about this. Mais ça, c'est suffisant pour que tu t'asseyes et que tu cherches à le connaître. Et il est prêt à t'utiliser. That is the most important thing. C'est la chose la plus importante. That what makes me comes to Jesus every day. Alors, c'est ce qui fait que je vienne à Jésus tous les jours. He's not afraid to make me like him. Il n'a pas peur de faire à ce que je lui ressemble. Let me tell you one thing. Laisse-moi te dire. In all the kings in the world. Dans tous les royaumes du monde. In all the kings in the world. Dans tous les royaumes du monde. I'm yet to find one say, come and be co-king with me. Ah, je ne sais pas s'il y a un roi ou un président qui peut dire viens être président avec moi. Viens, on va diriger ensemble. Come, let's be co-president. Viens, tu vas être co-président, comment on peut dire ça? Hello. Hi. But it's only Jesus. Mais il n'y a que Jésus. Who is not afraid? Qui n'a pas peur? Who is not panicking? Il ne panique pas. He said, come. Il te dit viens. Sit with me. Assieds-toi avec moi. Let us sit down together. On va s'asseoir ensemble. In the same place. On s'assoit ensemble. I am not afraid of you. Je n'ai pas peur de toi. I am happy to be in the same position with me. Je suis content de te mettre à la même place que moi. I remember years ago. Je me rappelle il y a des années de cela. I heard of a country. J'ai entendu parler d'un pays. They have one head of state, or president. Ils avaient un président. But they have about four vice presidents. Mais ils avaient au moins quatre vice-présidents. Why not five presidents? Mais pourquoi ne pas dire seulement cinq présidents? Why not five president five? Pourquoi? On pouvait aussi dire quatre présidents. I asked the question. I said there should have been five presidents too. Mais je leur dis pourquoi vous dites seulement quatre vice-présidents? Nobody vice? Does it. Pourquoi vice? Parce que personne n'aime partager son pouvoir. You are very holy, eh? Ah, ce soir vous êtes trois fois saint. Nobody wants to share what it belongs to him. Personne, écoute-moi, personne n'aime partager ce qui lui appartient. Women. Les femmes sont là. Okay, let's pastor, let me preach man on man. Women, close your ears. Bon, moi je vais prêcher seulement au pasteur. Donc les femmes, fermez pour vous vos oreilles, bouchez les oreilles. Nobody wants to share what you have. Personne, aucun homme ne veut partager sa femme. If you doubt it, si tu doutes, ask Sarah. Va demander à Sarah. Même Sarah aussi ne voulait pas partager. Sarah was very holy, no? Sarah, elle était très sainte, non? C'est my husband. C'est elle-même qui avait dit mon mari. C'est bon, tu peux prendre la serre. Very holy and humble. En tout cas, moi je suis vraiment humble. Nga nazana komi kitsaro sakanati nandi mananga mbanda zwa nayo. What was the end result? Mais à la fin, c'était comment?
But Jesus is not looking like that. Mais Jésus n'est pas comme ça. We are seated with him in the heavenly places. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Far above. Au-dessus. Far above. Au-dessus. That is what I think about. Et c'est à cela que je pense. That's when I'm talking about Jesus. Et c'est quand je parle de Jésus. He is the head of all principalities. Il est le chef des principautés. So when you are talking, you are talking. Alors quand tu parles bien. Let them take you to Coven. S'ils veulent, ils peuvent t'emmener to what? To Coven. What is Coven? Where the witches gather. Oh, s'ils veulent, ils peuvent t'emmener au siège de la sorcellerie, bah même à Coven dans son bading. As they gather. Mais quand ils vont se rassembler. They bring the name. Ils vont prendre ton nom. We want to discuss about Andy tonight. Ils vont dire, Tolingito sale la princesse Likita n'a pas quoi aller là. And the head of principal, you say that name, remove that name. Et mon condiabando qui est marqué depuis pardon, bon le relâche à Comboana. Because he's the head. Parce que c'est Jésus qui est le chef. He dwells in me. Et lui, il vit en moi. He dwells in me. Il vit en moi. Now you took my case to court. Maintenant toi, tu as pris mon cas, tu as amené là-bas. The court of the coven. Tu emmènes là-bas à la cour de justice de la sorcellerie. Or the court of the marine world. Ou la cour de justice des sirènes des eaux. Is there as the head. Tu as amené mon nom là-bas, mais lui il est le chef. You mention my name. Et dès que tu cites mon nom. I'm sleeping quietly. Ozo saka ozo lokanganga nazo lala lokola bébé. I am sleeping quietly. Et je dors vraiment paisiblement. Because the Bible said. Parce que la Bible dit. I shall hold my peace. Je resterai en paix. I shall hold my peace. Il dit, vous garderez le silence. He will fight for me. Et lui-même, il combattra pour toi. I want you to know and lead you about this Jesus. J'aimerais que tu apprennes à mieux connaître ce Jésus-là. I want you to know and lead you about this Jesus. J'aimerais que tu apprennes à mieux le connaître. This same Jesus. Ce même Jésus. That he was in a place. Il était à un endroit. A rejected woman. Il y avait une femme rejetée. You know, men, we are too wicked. Vous savez, les hommes peuvent être méchants, hein. And I'm very sure most of those men who were telling Mary Magdalene, gara, 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 all of them have visited Mary Magdalene. Et je suis sûr que même les hommes qui disaient à Marie de Magdala, prostituée, bah les kakuna déjà. They are customer. Mais c'était leur habitude. Elle était leur cliente. But that day, mais ce jour-là, hypocrite. Va là-bas. And Jesus said, come. Jésus a dit non, viens. Listen to me. Écoute-moi. No matter your situation. Quelle que soit ta situation. No matter your circumstances. Quelles que soient tes circonstances. Don't allow anybody to reject you. Ne permets pas aux gens de because te minimiser. Because Jesus have not rejected you. Parce que Jésus ne t'a pas rejeté. I said Jesus have not rejected you. Jésus ne t'a pas rejeté. And the Bible said. Et la Bible dit. And Jesus looked at Mary Magdalene. Et Jésus a regardé Marie de Magdalene. He said Mary Magdalene. Et lui a dit Marie Madeleine. You may be dirty right now. Si tu peux être sale maintenant. But I see your beauty ahead. Et moi je vois ta beauté dans le futur. I see your beauty ahead. Je vois ta beauté devant. You don't understand. Tu ne comprends pas. When you pick diamond in the rough. Tu sais quand tu ramasses le diamant dans la terre. It looks rough. Ça semble être brut. But take it to the machine. Et ça na beauté te mais même angoka kana machine. After they polish it. Après qu'on ait bien poli la pierre. All eyes will be on that diamond. Les yeux seront rivés sur ce diamant. Hear me well. Écoute-moi bien. I see a lot of diamonds here. Je vois des diamants ici ce soir. I see a lot of diamonds here. Je vois des diamants ici ce soir. You may look rough now. Hey, peut-être que tu es cru les lents. You may look rough now. Osa m'obèse sous les lents. Hear me well. Écoute-moi, je vais te dire. I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour toi. There is a machine. Il y a une machine. That can polish that diamond. Qui peut polir ce diamant que tu es. His name is Jesus. Son nom c'est Jésus. When he polish that machine. Quand il va polir la machine. When diamant, he polish that diamond. Quand il va polir le diamant. Our eyes will be on the diamond. Il soit battu coco makota la diamant en go. Wow. Wow. He's a creator. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. He's a creator. Il est le créateur. You need to understand. Tu dois comprendre ça. That today. Aujourd'hui. God said. Dieu dit. Recreate. Recréer. Recréation. Recreate. Il dit recréer. Recreate. Recréer. Listen to me. Écoute-moi. You may be neglected now. Peut-être que tu es négligé. But from tonight. Mais à partir de ce soir. Look at yourself. Regarde-toi bien. I may be Mary Magdalene now. Peut-être que je suis comme cette Marie. But I will be the one to see Jesus mais first. C'est moi qui vais voir Jésus. I will be the one.
C'est moi. To announce Jesus. Qui vais annoncer Jésus. I will be the one. C'est moi. To be where nobody wants to be. Qui va accéder là où personne n'a jamais été. I will be the one. Je sais moi. That will have a heart. Qui va avoir un cœur. For the kingdom. Un cœur pour le royaume. Hear me well. Écoute-moi bien. This is not the time to go back. Ça c'est pas le temps de reculer. This is not the time to look at yourself. Tangwa kozonga sima te. This is the time. Ça c'est le temps. Say, I may be rough now. Ah, peut-être que les lois n'ont pas été. The money may not be there now. Peut-être que mon on a noyé. The good job may not be there now. Peut-être que mon salaire bien n'a pas été. But I know one man. Mais je connais un homme. I know one man. Je connais un homme. That can turn rough to fineness. Il est capable de changer biloko zangatina à pesi ango valeur. That is where we are right now. C'est pourquoi nous sommes là. He said. Il dit. Come. Venez. Let us reason together. En anglais, ils disent raisonnons. You have been reasoning by yourself. Peut-être que tu raisonnais toi-même. But this is an open invitation. Mais voilà une invitation énoncée. Il dit viens. Let's write that project on together. Va écrire ce projet ensemble. Come. Il dit viens. Let's plan that marriage on together. On va planifier ton mariage ensemble. Come. Il te dit viens. Let's plan that admission together. On va planifier cette mission. Come. Viens. Let us plan that travel together. On va planifier ce voyage ensemble. Come. Viens. Let us do that business together. On va faire cette affaire ensemble. If you are willing, si tu as la volonté and obedience, et si tu es obéissant, you will get the best results. Tu auras le meilleur résultat. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? Because I am tired of this. Social gathering. Écoute-moi, je suis fatigué de voir que l'église ressemble à un mosaïque. Why did he come here for birthday party? On n'est pas venu ici pour une fête d'anniversaire. We came here to meet with the King of Kings and the Lord of Lords. Nous sommes venus à la rencontre du roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Goat give birth to goat. Écoute-moi, une chèvre donne naissance à une chèvre. And kings give birth to kings and queens. Un roi donne naissance à des rois. And pastor said on Sunday. Et le pasteur l'a dit le dimanche. He said we have seen enough princes. Il dit nous avons déjà vu trop de princes. And princesses. On a vu des prêtres. When are we going to be seeing kings? On a vu des sacrificateurs, mais maintenant on veut when faire are we de going rois. To be seeing kings and quand queens? Est-ce qu'on va voir des rois et when des reines? When are we going to be seeing kings and queens? On doit voir des reines et des rois. Tell somebody by your side. Dis à quelqu'un à côté de toi. Tell person by your side. Dis à quelqu'un à côté de don't toi. Don't demote yourself again. Et ne te diminue pas. Say, help me tell the person. Nga la kute ezo sonne bien. Komi kiti sa te mama. Koko kakola nzoto na yote. Leave devil aside. Leave devil aside. Écoute, laissons le diable de côté. It's not important here. Ici là, il n'est pas important ce soir. It's not important here. Ce soir, il n'est pas important. It's between you and God. Ça se passe entre toi et Dieu. He said, come, let us reason together. Il a dit, viens, raisonnons. The meeting, the appointment is not with the devil. Écoute-moi, le rendez-vous là, ce n'est pas le rendez-vous avec Satan. Come, let us reason c'est together. Dieu qui t'invite, il dit viens, on va raisonner. And when you are reasoning with God, et dis-moi si tu raisonnes avec Dieu. You begin to think like God. Tu vas commencer à penser comme you Dieu. Begin to act like God. Tu vas commencer à agir comme and you Dieu. Begin to get results tu like vas God. Commencer à voir les résultats de and Dieu. Tonight, et ce soir, what is not working will work. Ce qui ne marchait pas avant va marcher. I said, what is not working with oh, what? Oh, no, it's like Simba, take Simba. Enough is enough. Trop, c'est trop. Everything is in your hand. Écoute, tout est entre tes mains maintenant. Everything is in your hand. Tout est entre tes mains. Everything is in your hand. Tout est entre tes mains. By wisdom, it sustains the whole. By wisdom. Par la sagesse, la Bible dit, Dieu soutient le monde. You know, we still pray that prayer. Vous savez, nous faisons toujours cette prière. Like Solomon prayed. Comme Salomon avait prié. Write your prayer request now. Si on dit, écris ta demande, ta requête de prière. Lord, give me wisdom, knowledge, and understanding. Seigneur, donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Ça, c'est une demande de prière. You know why? Tu sais pourquoi? You are not reading your Bible. Parce que tu ne lis pas ta Bible. 1 Corinthians chapter 1, verse 30 says. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit. Let me know those who are born again. Je veux savoir lesquels sont vraiment nés de nouveau. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. What did he say? Qu'est-ce qu'il dit? What did he say?
Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut nous lire ça? Yes. Let somebody read. Que quelqu'un lise, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus. 1 Corinthiens 1, 30, c'est ça? Hein? Yes, 1, 30. Oui? Yeah. 1, 30. 1 Corinthiens 1, 30. Oui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus qui? En Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Waouh! So, who have wisdom here? Maintenant, je pose la question, qui a la sagesse ici? Who have wisdom? Qui a la sagesse? Okay, a few of us. Si tu n'es pas sûr, ne lève pas la main, hein? Mais si tu es sûr, qui a la sagesse ici? Mais what did the scripture says? Mais attends, nga nazo kama kutu. Mais ma combien au temps qui est l'obini? It's not everybody that can raise up hand though. Okay, d'accord. C'est pas tout le monde qui doit lever sa main. Qui a la sagesse? As long you don't have Jesus, you cannot have wisdom. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Qui a la sagesse? Maintenant, on pose encore la question, qui a la sagesse? Because you are not reading your Bible. Tu vois, ozo kama parce qu'on t'a la Bible. Write your prayer request. Demande de prière. God, give me wisdom. Oh, Seigneur, donne-moi la sagesse. Knowledge and understanding. La connaissance et la compréhension. I know it's true. Je sais que c'est vrai. Because you are not born again. C'est parce que tu n'es pas encore né de nouveau que tu fais ce genre de prière. If you are born again, parce que si tu es né de nouveau, Christ dwells in you. Christ vit en toi. If Christ dwells in you, mais si Christ vit en toi, you have wisdom. Tu as la sagesse. Sanctification. La sanctification. Righteousness. La justice. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. He that knew no sin. Celui qui n'a point connu de péché. Was made sin for us. S'est fait péché pour that nous. That through him. Afin que par lui. I can become the righteousness of que God. Que je devienne la justice de Dieu. Don't look at me like that. Ne me regarde pas comme ça. I am the righteousness of je suis la justice de Dieu. That is why no devil can touch me. Voilà pourquoi aucun démon ne peut me filer. I know who I am. Je sais qui je suis. Sorry to say, you can mistakenly intimidate police. Tu sais, je suis désolé de le dire, mais tu sais, on peut par hasard intimider la police. Mistake. Hein? Par hasard. If hein? You mistake intimidate army. Mais si tu vas essayer avec l'armée. He will tell you his army. Il va te montrer c'est quoi l'armée. Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un? You know why? Tu sais pourquoi? It's not just because of the uniform. C'est pas seulement à cause de la tenue. It's not the uniform. Non, c'est pas la tenue qui fait la différence. It's the mentality. C'est la mentalité. It's the training. C'est la formation qu'il reçoit. When he's talking army. Quand c'est un militaire qui parle, il parle comme un militaire. He's thinking army. Sa pensée c'est l'armée. He's acting army. Il marche même comme un militaire. Because it's inside of him. Parce que c'est la chose so en it's not the uniform. C'est pas la tenue. Check many army, they don't carry identity card. Écoute-moi, beaucoup de militaires, ils se baladent même pas avec leur pièce d'identité. They don't carry identity card. Ils se baladent pas avec sa carte d'identité. Who are you? Qui tu es? I'm a force man. Même s'il n'est pas en tenue, il va te dire je suis béret rouge. He's here. C'est dans sa tête. That is who God wants you to be. That is what God wants you to be. That whether you are awake or you are sleeping, you have the mentality that you are a child of God that is carrying Jehovah. C'est pourquoi c'est ce que Dieu veut que tu développes comme mentalité. Eyana butu, eyana moy. Attends la carte à pongi, on a bien l'Éternel des armées, c'est lui mon Dieu. When you get to that point. Quand tu arrives à ce stade-là,
When you get to that point, quand tu arrives à ce stade, you wake up, headache. Et tu te réveilles le matin, tu commences à sentir des maux de tête. Satan is a liar. Satan est un menteur. Satan is a liar. Ah, wana prière na yo. Satan okosi na yo. Headache. Satan okosi. In my head. Wana ka mutu pasi motezo lobiso boy. Headache. Mutu pasi. What are you looking for? Mais attends. You see, that's the mentality. Mais tu vois, mais si tu as cette mentalité, tu vas dire, hey, maux de tête là, mais tu n'as pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Is it today that Satan is a liar? Donc yo banda kala wana yo yebika leloti Satan za motalokuta. So what's my business? I know he's a liar. Mais moi je sais qu'il est menteur. But my mentality makes me to understand I should not accept this headache. Mais ma mentalité que j'ai développée me pousse à ne pas accepter que c'est ce qu'il veut faire dans ma tête là. Je n'accepte pas. That is what we are talking about here. C'est de ça que nous parlons. The door is open. La porte est ouverte. Those who are willing, ceux qui ont la volonté and et qui sont obéis, they will enter, ils vont entrer, they will eat the best. Ils vont manger le meilleur. So let us leave this show. Donc arrêtons un peu ces spectacles. It's time for you to enter the house. Il est temps d'entrer dans la maison. And somebody say, I'm not feeling well. Et quand tu entres quelque part, quelqu'un te dit, je ne me sens pas bien. Why must you not be well? Et tu dis, mais pourquoi tu ne te sens pas who bien? Who permit sickness to enter my qui house? A permis à la maladie d'entrer dans from ma maison? Now you are healed in the name of alors Jesus. Sois guéri au nom de Jésus. And the person will come the next 5 minutes. Et la personne s'assoit là 5 minutes après, il est OK. Where did you say I should go that time? Maman, tu as dit que j'aille où? Quelle course je dois faire? What just happened? Qu'est-ce qui vient de se passer? You exercise your authority. Tu as exercé ton autorité. What you gain for inside that room? Et ce qui était dans cette maison? Where you that door you enter? Écoute, dans cette porte dans la, par laquelle tu vas entrer. That is one of those things inside the room. Il y a le bénéfice qui est là dedans, c'est l'autorité. As aussi. The door is open. Et quand la porte est ouverte. It's not for dollars and pounds. La porte ouverte, c'est pas pour les paresseux, les fainéants. It's for authority. La porte là, c'est pour des it's gens for qui, power. Qui peuvent exercer le pouvoir et l'autorité. And pastor, please pray for me. I'm going for interview. And the people in that interview, there are so many. Some of them, they are from the president and the governor family. Please pray for me. Ah, pasteur, vraiment, pardon. Prie pour moi parce que je vais pour cette interview-là. Mais vraiment, moi, je n'ai personne. Ceux qui sont là-bas, ils sont nombreux. Banaba Conti, Kakabana, Bango, Kabana, Kabango, Motobazwaka, Kakabango. President, governor. Oh, écoute, ils ont des parents, que ce soit président, gouverneur. Who is your father? Mais toi, ton père, c'est qui? Who is your father? Je te pose la question, ton père, c'est qui? Who is your father? Qui est ton père? This is what we are talking about. C'est de ça qu'on parle ici. We must change. Our thinking. Changeant de mentalité. Romans chapter 12. Romains chapitre 12. Verse 1 and 2. Verset 1 à 2. We must change our mind. Changeons notre façon de penser, s'il vous plaît. Because we can't continue like this. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. When it's time to pray, you see everybody shouting, 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 shouting. Quand c'est le temps de prier, tout le monde crie, crie, crie. It shows in many ways. It shows powerlessness. Tu sais, deux fois, les cris là montrent qu'on a pas de, on a peu de puissance. When you are shouting, praying, it shows powerlessness. Quand tu cries, 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 cries trop de fois, c'est preuve de peu de puissance de foi. Prayer is declaration of God's word. La prière, c'est la déclaration de la parole de Dieu. So when you leave that realm and come to flesh realm, you begin to shout. Mais tu sais, quand tu quittes cette dimension spirituelle et que tu agis maintenant dans la dimension charnelle, tu commences à crier n'importe comment. Amen. Amen. Who is your father? Qui est ton père? You are going for interview? Tu vas pour une interview? You are intimidated? Et tu es intimidé? When your father is the owner of the alors universe? Alors que ton père est le créateur de l'univers? Your father is the owner of the universe. Ton père, c'est lui qui a créé le monde que tu vois. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Yes. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Did you hear that statement? Est-ce que tu as entendu ça? By the renewing Soyez of your mind. Transformé par le renouvellement de votre intelligence. Renewing of your mind. Renouvellement. If there's anybody who will win, you are the one. S'il y a quelqu'un qui doit gagner, c'est toi. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? God forbid accident happen in the car you are the one to talk the testimony. Que Dieu t'en garde, mais s'il arrive que tu connaisses un accident, même si les gens meurent, c'est toi qui vas témoigner. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? You will be the one to come out from the accident and say this is how it happened. C'est toi qui vas sortir de cet accident, tu diras aux gens voilà ce qui s'est passé. That is the mentality. C'est cette mentalité que tu dois you avoir. You cannot be poor. Tu ne peux pas être pauvre. You can't be poor. Say it with your mouth. I can't be poor. Dis-le, je ne peux pas être pauvre. When you begin to think like that, quand tu commences à penser comme ça, to do good will not be hard. Pour faire le bien, tu n'auras pas de difficulté à faire du bien aux gens. Bible says, "Do not be worried about tomorrow. Tomorrow will take care of itself." La Bible dit, "Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même." Many a time you miss your opportunity. Beaucoup de temps, de fois, on manque l'opportunité. Because you are worried about tomorrow. Oh, de faire du bien parce que tu t'inquiètes de demain. You worry about tomorrow. Tu t'inquiètes du lendemain. Few weeks ago, I was in Pointe Noire. Il y a quelques semaines de cela, j'étais à Pointe Noire. With Pastor Princess. Avec le pasteur Princess. Your daughter, what's her name? Mireille or whatever. On a rencontré. Your daughter. She gave me a wonderful testimony. Elle m'a donné un bon témoignage. He gave me testimony. He said, last time I came. Elle a donné un témoignage. He said, I called her out. Elle a donné ce témoignage en disant. I said, dernière fois que le révérend était ici pour un programme, je crois. He said, I told her, God will transform your life. Elle a dit qu'il y avait une prophétie sur elle. You will drive a car you never bought. Et Dieu lui avait dit que tu conduiras une voiture que tu n'as pas achetée. You will own a house you never built. Tu auras une maison que tu n'as pas construite. And you will go to Europe and without paying for it. Et tu iras en Europe et ce sont d'autres qui paieront les frais. After the prophecy. Après la prophétie. She said. Elle a dit. She was on her own. Elle était là. They took her to Europe. Elle est partie en Europe, comme la prophétie le disait. She came back. Elle est revenue. She was in Pointe Noire. Elle est affectée à Pointe Noire. Somebody gave her millions to buy land. Quelqu'un lui a donné, on ne dit pas le montant, mais des millions pour acheter un terrain. The person start building the house. Et la personne a commencé à construire cette maison. Upstairs. À un niveau. And he took me there. Et elle m'a fait visiter. He said, Pastor, look at the prophecy you gave that. Elle a dit, Pasteur, regarde la prophétie que tu as donnée. I said, I don't remember. Moi, je ne me souvenais pas. He showed me the house. Elle m'a montré la maison. They are decking it to upstairs. Ils sont en train de daller. Her one naira is not there. Mais là, dans cette maison-là, elle n'a pas dépensé son argent. Why? Pourquoi? She believed God. Parce qu'elle a cru en Dieu. She believed God. Elle a cru en Dieu. He said when she came out for that vow. Elle a dit, elle avait pris un engagement qu'elle avait honoré. She didn't know how she would pay the vow. Elle ne savait même pas comment est-ce qu'elle devait honorer. What are we talking about? Nous parlons de quoi? You will recreate. Tu vas recréer. The door is open. La porte est ouverte. If you are willing. Si tu as la volonté. And obedient. Et tu es obéissant. You will eat the best. Tu mangeras le meilleur. I can't remember the prophecy. Moi, je ne me souvenais pas de cette prophétie. It's what God asked me to say. Mais ce que Dieu avait demandé que je That dise. Is what I said. C'est ce que j'ai dit. And it came to pass. Et ça s'est accompli. You will begin to say it. Toi aussi, tu vas commencer you à will dire. Begin to say it. Toi, tu diras. And it will come to pass. Et ça s'accomplira. I say you will say God je what? Dis, tu parleras et tu and it surely la come parole, to pass. Et ça s'accomplira. Hallelujah. Amen. What am I saying?
Qu'est-ce que je dis là? Obey God. Obéis à Dieu. If you are willing, si tu as la volonté, and obedient, et si tu es obéissant, you will eat the best. Tu mangeras le meilleur. It is time. Il est temps for king que les rois and princes et les princes and queen et les reines to begin to reign. Il est temps qu'ils commencent à régner. L'interviewer. What is your secret of success that you are the richest man? Ton secret du, le secret de ton succès en tant qu'homme riche. He said he should bring his check. Oh, il a demandé qu'on lui amène son chèque. He signed his signature on the il check. A signé. And he gave the check il, to the. Il a donné à la dame, la journaliste. He said no, that is elle not dit, what non, I non, asked. Non, non, ça c'est pas la question que j'ai posée. I said what is the secret of your success? J'ai demandé quel est le secret de ta réussite. He said take. Il a dit mais prends. How much do you need? Tu as besoin de combien? He said you have not answered my question. Il dit mais tu n'as pas répondu à ma question. He said, okay. Il a dit ok. Il a déchiré le chèque. He tore the check. Il a déchiré. And he now told the girl. Il a dit à la fille. You just miss tu to become manqué, the richest journalist in the world. Tu as manqué l'opportunité d'être la journaliste la plus riche du monde. Opportunity. L'opportunité. He signed his check. Il a signé un chèque. How much do you want? Tu as besoin de combien? Fill it. Remplis seulement. Holy, holy, holy. Saint, saint, saint. Elle était trop saint. Brain, brain, brain. Elle était trop, elle avait trop de raisonnement là-dedans. Not being sensitive to elle the n'était spirit. Pas sensible à l'esprit. Ask Pastor Princess. Demandez au Pasteur Princesse. No, it's not in my dictionary. No. Le mot non n'existe pas dans mon vocabulaire. It's not in my dictionary. Ça n'existe pas. No. Non. Unless pas possible. Unless it comes from him. Non. Sauf si ça vient de Dieu. I want to buy a ticket. Je voulais acheter mon billet. They said, sorry, it's closed. Ils ont dit désolé, il n'y a plus de place. I said, is there flights? J'ai dit est-ce qu'il y a un vol pour ce jour-là? They said, yes. Ils ont dit oui, il y a le vol. I will fly without. Je leur ai dit moi je vais voyager, je vais prendre ce vol-là. Ah no, they said, ils ont dit non. I said I will fly without. Je leur ai dit je vais voyager, je prendrai ce vol-là. After the man looked at me, they speak. Après, ils m'ont regardé, ils ont parlé dans leur langue indienne. But it's expensive. It's not the old price. I said I will fly. Mais le prix a même augmenté. J'ai dit moi, je vais voyager. No, I don't take no. Je connais pas le mot non là, sauf si ça vient de Dieu. At the end, they issue my ticket. À la fin, ils m'ont donné mon billet. I said yes. J'ai dit merci. Whosoever. Quiconque. Whosoever. Quiconque. That's the qualification in the Bible. C'est ça qui est important. C'est whosoever. Ce que la Bible dit. Quiconque. It's time to raise kings. L'heure est arrivée quand on voit des rois ici. That lady today is a landlord. Cette femme, the journalist. No, the ah, okay. Okay. Cette sœur qui a témoigné aujourd'hui, elle devient propriétaire. But that time. Mais à cette époque-là. If she calculated with her head, si elle avait calculé avec sa tête, she would have been in the crowd now. Elle allait être dans la foule jusqu'aujourd'hui. But today, mais aujourd'hui, she was driving her car. Elle conduit sa voiture. I was at the back. Et elle m'a conduit. I was at the back. She was driving, taking et j'étais me to the side. Derrière pendant qu'elle conduisait. I must enjoy it because the prophecy came from me. Ah, en tout cas, j'étais content et bien à l'aise dedans parce que Dieu m'a utilisé aussi pour la prophétie. Maybe your car is what I will use when I come in November. Peut-être qu'en novembre, quand je viendrai, c'est ta voiture qui nous conduira. Is it possible? Est-ce que c'est possible? The same God. Le même Dieu. That did it for her. Qui a fait pour elle. Is still alive. C'est le même Dieu qui est en vie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The same God that has spoken. Le même Dieu qui a parlé ce soir. By November. En novembre. Eyeball to eyeball. En face. We will see your testimony. Nous verrons ton témoignage. Because you are a kingdom pillar. Parce que tu es un pilier du royaume. In the name of au Jesus. Au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le camp qui ne peut pas échouer. Tozan na ngambo epai bakake makate. Quoi qu'on te dise. Quoi que tu vois, qui que tu rencontres, que cela ne change pas ta confession,
Tu es roi. Tu es prince. Tu es princesse. Tu es reine. C'est ta position. C'est ta position. Ça ne se discute pas. C'est ce que tu es. Et personne ne peut te l'enlever. Sauf toi-même. Sauf toi-même. Les hommes ne partagent pas le pouvoir. Mais Jésus nous a partagé sa position et son pouvoir. Nous sommes assis avec lui. Alléluia. Dans les lieux célestes. À la droite du Père. Quand tu sors de cette réunion d'aujourd'hui, voilà ta position. Voilà ta position. Qui est ce petit sorcier qui va t'enlever de là où lui ne peut même pas arriver? Lui ne peut pas arriver là-bas. Il va t'enlever comment? Ce soir, tu sors d'ici avec cette assurance. Tu pries comme un roi. Tu pries comme une reine. Tu parles comme un prince. Tu parles comme une princesse. Si Dieu est pour toi, je dirais même si Dieu est avec toi, qui peut te bousculer? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur pour ta position en Christ, pour ta richesse en Christ, pour ta prospérité en Christ, pour ta santé en Christ, pour ta gloire en Christ et pour ta justice en Christ, pour ta sagesse en Christ, pour ta sanctification en Christ, pour ta rédemption en Christ. Bien-aimé, et si nous comprenons cela, je vous dis, c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Jésus. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen.